good morning. Let me open the second session of today. We will have two wonderful papers, and the first one will be by Asher Benyamin. I don't need to introduce, we all know him by now as an organizer, but also as a scholar. And he will introduce his paper called Fidélité et Terreur, Other Voices in the Cosmic Movement, First Insights from an Unpublished and Unknown Manuscript of Louise de Banterreux. And the lecture will be in French, but the questions will be in English. Yeah. Right? Okay. So over to you. Thanks, Elena. There is a handout with a kind of translation into English. It's not perfect, but it can help people who don't understand French. But anyone who wants to deal with the cosmic movement and cosmic philosophy should understand French. And we'll see why. Fidélité et erreur. Parmi les papiers ayant appartenu à Pascal Témonlis, nous avons trouvé une feuille de papier contenant plusieurs listes. Une espèce de pense-bête. Une de ces listes porte le nom « Histoire ». Nous ignorons le but précis de cette liste. Il s'agit peut-être du plan d'un ouvrage qu'il prévoyait d'écrire, ou celui d'une conférence qu'il a prononcée ou qu'il voulait prononcer. Eva m'a dit que c'est probablement ça. En quelques lignes, Pascal y retrace l'historique du mouvement cosmique. Théon et Théona Londres-Trensen, les duchesses Mira, Louise Duban, Fidélité et Erreur, Docteur Couillot Benaroche, Fernande, il s'agit de Fernande Boissy, merci Eva de nouveau, Jérusalem, Ruach Israël, New York, Paris, Jérusalem. Une de ces lignes a particulièrement retenu notre attention, Louise Duban, Fidélité et erreur. De l'autre côté de la feuille, toujours dans une liste de choses à faire, nous retrouvons l'inscription « Brochure de Louise Duban ». Qui était Louise Duban? Quel a été son rôle dans le mouvement? Quelles sont ses marques de fidélité et surtout en quoi consistent ses erreurs? Quelle est cette brochure? Le peu que nous savons de Louise Duban dans le contexte du mouvement cosmique nous provient de trois sources. La thèse de doctorat de Christian, les écrits de Pascal et le journal manuscrit de Teresa, fidèle secrétaire particulière de Max Théon. Julie nous en a parlé avant-hier. Ce journal fait partie de notre projet de recherche. Selon ce journal, une certaine Mademoiselle Duban a effectué 4 séjours à Sérif entre les années 1921 et 1924. 2 de ces séjours durant presque 2 mois, les 2 autres environ 1 mois. Il est intéressant de noter que d'après le dit journal, elle est pratiquement la seule visiteuse de Sérif durant ces années. Pascal Témonlis la mentionne en tant que Madame Perrault Duban dans une longue liste de fidèles adeptes du mouvement cosmique. Il la mentionne également dans une lettre adressée à Christian Chanel en 1972 en ces termes. Je vous ai déjà raconté, je crois, que Madame Perrault Duban, qui était sérieuse et de bonne volonté, a écrit que lors de son dernier voyage à Tlemcen, etc. Nous reviendrons plus tard sur le contenu de cette lettre, mais il est intéressant de prendre note que Pascal considère Madame Duban Perrault comme sérieuse et de bonne foi. Et de nouveau, merci Christian pour nous avoir adressé ce document. Chanel nous fournit certains renseignements sur Louise Duban. En 89, Pascal écrit à Chanel qu'il détient des souvenirs inédits de Madame Perrault, les faits que Théon aurait participé avant de se rendre à Paris et à Londres à des manifestations et à l'insurrection polonaise. Plus loin, il cite « Néanmoins des dissentiments et l'expression « dissentiments » est de Madame Perrault Duban, qui se rendit presque tous les étés à Tlemcen jusqu'à la mort de Max Théon, ces dissentiments ne tardèrent pas à se faire jour entre Max Théon et lui, Moïse Témonlis, intéressant qu'il y avait des tensions déjà entre Témonlis et Théon. Plus loin, le 3 juin, Théon
Reparti pour Tlemcen, il était à Paris. Son activité au service de la diffusion du mouvement ne fut plus dès lors que très réduite. Max Théon reçut encore quelques visites de France, en particulier de Madame Perrault-Duban. C'est cette personne qui prit en charge les dépôts des publications cosmiques lorsque lui, Moïse Témanlis, dont les rentes avaient été fortement amputées, en valeur réelle par l'érosion monétaire consécutive à la guerre, résilia le bail du local de la rue Guichard et déclara à Max Théon qu'il ne disposait plus de place suffisante pour conserver les stocks d'ouvrages publiés. Chanel mentionne une lettre de Louise à Berthaud à ce sujet, nous ne l'avons pas retrouvée. Et finalement, à la fin, Chanel considère Louise comme l'auteur probable de l'exposé préparatoire à l'étude de la philosophie cosmique, ouvrage que nous avons. Nous reviendrons plus tard sur cette supposition à laquelle nous croyons pouvoir apporter des preuves supplémentaires. Dans le même tas de papiers ayant appartenu à Pascal Lé, nous avons également retrouvé une enveloppe du service israélien de diffusion, son lieu de travail, depuis sa venue en Israël, contenant une quarantaine de petits feuillets écrits à la main d'une écriture assez petite et serrée. Il s'y trouvait également une photocopie de tout ce texte. Ces feuillets photocopiés contiennent certaines corrections ou ajouts mineurs d'une autre encre, probablement de la main de Pascal. Ces faits prouvent l'intérêt que Pascal portait à ce texte et probablement qu'il avait l'intention d'en faire un certain usage. Eva m'a confirmé dans cette supposition, il voulait réagir à ses écrits. Apparemment, il n'a pas fait, il y a eu assez de temps puisque, on verra, Louise est morte dans les années 40. Nous avons pu, sans aucun doute possible, identifier ce texte comme étant l'œuvre de Louise Dubon Perrault. Perrault avec AUD à la fin et pas AULT, comme l'ont écrit Pascal et, suivant Pascal, Christian. Mais les documents d'état civil prouvent que c'est Perrault AUD. Ou le journal de Teresa, peut-être. Sans aucun doute possible. C'est Teresa et. Elle écrit du banc parce qu'elle était encore célibataire pendant ces années, mais Raymond Perrault est aussi, y était, mais on a du mal à lire si c'est un U, un N, ce n'est pas très clair. Ok. Et ce n'est pas le moment maintenant de fournir les preuves, comment nous savons que ce document est de Louise Duban, nous le ferons dans l'introduction de l'édition que nous voulons publier, comme Boaz l'a indiqué, mais nous avons beaucoup de preuves littéraires du document lui-même. Qui était Louise Duban? Nous n'avons pas beaucoup de détails biographiques sur elle. Anne-Louise Félicie Duban est née en 1887 à Meaux, au sein d'une famille assez modeste. Son père était gendarme, sa mère femme au foyer. Elle est la deuxième de trois enfants. Son frère aîné Paul Eugène, né en 85, aurait vécu jusqu'à l'âge de 97 ans. Sa jeune sœur, Thérèse Hélène, mourut à Nice en 1921, âgée seulement de 26 ans. La maladie ayant précédé son décès est l'une des causes de la rencontre de Louise avec Max Théon, via le docteur Couillon. Nous savons qu'elle habitait au début des années 20 du siècle dernier, à Nice, où ses parents avaient apparemment déménagé et possédé une propriété. À Nice, elle fit construire une petite villa au quartier des Baumettes. Cette villa deviendra plus tard le dépôt des publications cosmiques. Nous ignorons quel était exactement le rôle de ces dépôts. Nous avons trouvé une seule publication dans l'adresse de l'éditeur ladite villa. Il s'agit de l'exposé préparatoire dans lequel nous avons déjà parlé, qui apparemment c'est elle qui l'a écrit. Nous savons par certaines remarques dans notre manuscrit qu'elle était éducatrice et qu'elle accordait une grande importance à ce rôle. En 1929, elle devient la directrice fondatrice de l'École nationale professionnelle pour jeunes filles à Bourges dans le Cher. Voici en quelques lignes la description de cet événement fort significatif. 14 octobre 1929, émotion de la première entrée pour 78 élèves, 6 professeurs, 6 maîtresses d'internat chargées de cours, toutes demoiselles sous la direction de Mademoiselle Duban et la surveillante générale Berthe Keller. Après Vierzon 87, première école, ENP, École nationale professionnelle de garçons, le Cher reçoit la première ENP de jeunes filles. 7 établissements de ce type furent implantés en France. Nous savons que la directrice était très active aussi dans la propagande et le désir de recruter des élèves et elle voyait dans la création de l'école un vrai apostolat qui engendrerait une vraie révolution sociale
le féminin. Yoter. Yoter Léat. Non, non, aspect. Ok. Et le féminisme, c'est ce qui a attiré Louise dans le cosmisme. Et nous voyons l'acte qu'elle fait de créer une école pour jeunes filles professionnelles comme un vrai apostolat. Et je saute le texte suivant. Il est très intéressant. I jump this text. Very interesting. But we have not enough time. You can read it in the English handout. Cette école existe encore de nos jours. Entre-temps, elle est devenue mixte. Depuis 1973, son nom est Lycée Jacques Cœur. Nous savons qu'elle a continué à diriger cette école au moins jusqu'en avril 1934, date de son mariage avec Raymond Perrault, avocat au barreau de Nice et docteur en droit. Ce dernier mourra un an plus tard, le 29 mai 1935. L'adresse indiquée dans sa déclaration de décès est à Nice. Nous ignorons si lors du mariage, Louise avait quitté Bourges pour revenir à Nice ou s'il se voyait seulement les week-ends. De quoi il est mort ? Je ne sais pas, il avait 58 ans. Hein, voyait... elle était 10 ans de plus jeune que lui. Nous la retrouvons en 1937 à Paris, en tant que directrice de l'école professionnelle Elisa Lemonnier, qui était aussi une grande féministe et éducatrice, école qui existe encore aujourd'hui. En 1938, elle est en plus de la direction de l'école, rédactrice en chef d'un périodique, l'éducation ménagère, revue pédagogique bimestrielle, de préparation à la vie familiale, professionnelle et sociale. Je cite du titre de la revue. Elle y publiera dans le premier numéro un article intitulé « Introduction à la pédagogie ménagère ». Dans le deuxième numéro, elle publiera un nouvel article « La femme dans l'économie générale actuelle ». Nous avons retrouvé plusieurs citations de ces articles dans la lecture professionnelle, en français et en anglais. Louise mourra à son domicile à Paris le 2 avril 1947. Dans tous les catalogues de la Bibliothèque nationale, il n'y a pas de trace de ses écrits, bien qu'elle témoigne elle-même avoir publié au moins une brochure. L'aurait-elle publié de façon anonyme, comme l'ont fait plusieurs membres du mouvement cosmique ? Je ne sais pas. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé de photographie d'elle. Mais revenons à notre texte. Le texte s'intitule « Aya Aziz et son œuvre, la philosophie cosmique ». Quant à la date de rédaction, nous pouvons nous baser sur la phrase suivante. J'essaye à 20 ans de distance de reconstituer cette atmosphère étrange pour affirmer, étant donné que lui s'est rendu pour la première fois à Tlemcen en 1921, qu'il a été écrit dans les années 40. Du fait que certains trous dans le manuscrit n'ont pas été comblés, comme nous l'avons vu et nous verrons encore, nous pouvons supposer, sans pour autant pouvoir l'affirmer avec certitude, que lui a rédigé ce document à une date proche de son décès en 1947 et qu'elle n'a pas eu le temps de compléter son œuvre. Dans quel but Louise écrivit ce document ? Nous pouvons trouver une ébauche de réponse dans les lignes suivantes. J'ai anticipé un peu sur le temps, mais je n'ai pas l'intention de faire une biographie du maître. C'est comme ça qu'elle l'appelle au moins 70 fois dans le manuscrit. Pour laquelle je n'ai pas d'éléments. J'évoque des souvenirs afin de faire saisir le climat dans lequel s'était constitué, évolué le mouvement cosmique. Et aussi de faire entrevoir les raisons d'un apparent échec. Il est intéressant de noter le mot « échec » au sujet du projet cosmique, cette œuvre avec un grand O majuscule, ainsi que Théon le décrit dans toutes ses lettres. Le texte n'est pas signé, le destinataire n'est pas mentionné, et par le style, il semblerait qu'il était destiné à être publié. Le texte a été soigneusement relu par son auteur, qui apporte de nombreuses corrections et rajouts en marge, et même effacé certains passages. L'auteur a laissé à plusieurs endroits un espace qu'elle avait l'intention de compléter ultérieurement. Date, nom d'ouvrage, voici deux exemples. On trouve encore la signature dans des articles parus, trois points de suspension. Puis en 1900, il a rencontré Barlet, l'auteur de plusieurs ouvrages philosophiques dans points de suspension, elle voulait compléter. L'auteur s'abstient en général d'écrire les prénoms ou les noms de personnes auxquelles elle fait allusion. Elle fait usage en général de la majuscule avec un point. Et nous avons plusieurs exemples. Une des plus douées des sensitives, Madame M, Madame Morisset, Mira Alfassa, va retrouver ainsi dans le pasteur R, Richard, etc. Ou un autre texte, guidait le docteur
ces points, c'est le routeur Couillot. Cependant, certains sont nommés explicitement, comme Charles Barlet, les témoins Lys et quelques d'autres. Le texte ne suit pas un plan très précis, l'écriture est plus associative, les événements ne sont pas toujours évoqués dans l'ordre chronologique, mais passons maintenant au contenu du texte. Louise nous fournit certains détails biographiques sur le maître, détails qui en général concordent avec ceux que nous savons. Cependant, certains sont étonnants et sont évidemment à prendre avec précaution. Par exemple, au sujet de l'âge de Théon. Si l'on croit l'acte d'état civil rédigé à sa mort en 27, il avait 68 ans. Au fait, Chanel nous dit qu'il avait 76, ce qui est confirmé par les documents et par les articles publiés et l'annonce mortuaire et un petit article publié dans le Petit Lemsénien. Au fait, il avait 76 ans. Et c'est en effet cette date de 59 que portait pour sa naissance sa carte d'identité d'étranger. Mais que valait cette pièce officielle? Apparemment, elle était falsifiée. Ce n'est pas étonnant. Cela le ferait naître en 1938, c'est un minimum. Chanel hésite entre trois dates. 1847, 1848, 1850, Et donc, nous voyons donc que Louise le vieillit d'environ une dizaine d'années. À ce propos, cette remarque est fort significative. Lui-même se plaisait à laisser planer un mystère sur son âge. Est-ce parce que la philosophie cosmique enseignait que la prolongation de la vie est un des premiers buts pratiques à atteindre dans l'œuvre d'évolution, et qu'il ne lui déplaisait pas de donner l'exemple d'une extraordinaire longévité? Fruit de l'initiation, toujours est-il qu'il laissait volontiers entendre qu'il était plus vieux qu'on ne croyait. On ne peut s'empêcher de sentir une certaine pointe d'ironie dans cette remarque. Il y a une remarque pareille sur la mort de Théona, comment ça se fait qu'elle est morte, s'ils avaient l'immortalité, etc. Et au sujet de la naissance de Théon, elle nous dit quelque chose d'étonnant. Il n'était pas né à Varsovie, mais très vraisemblablement en Géorgie. Dans les faits rapportés par Louise, il y a certaines erreurs historiques. Par exemple, quand elle décrit les premiers articles publiés par Théon sur le spiritisme. Elle nous dit, vers les années 82-84, il fait paraître chez Charconac, sous le pseudonyme de Max Théon, deux brochures contre le spiritisme. Nous savons en fait que ces brochures sont parues en 1899-1900, et non pas chez Charconac, mais chez Lucien Chamuel. Il y a encore de petites erreurs de ce genre, mais je ne crois pas que c'est à ce genre d'erreur que Pascal fait allusion quand il a dit, Luce Dubon, erreur, fidélité et erreur. La première rencontre entre Louise et Théon eut lieu à Paris en 1920. C'est vers Pâques 1920 qu'il ne fut possible d'être reçu par le maître. L'accueil fut glacial. Visiblement, on ne tenait pas à encourager cette nouvelle recrue. Mais je venais de province. À l'encontre de la plupart des cosmophiles de Paris, dont l'activité se bornait à la fréquentation de réunions assez banales, où l'on était toujours au commencement, car il y avait toujours des visages nouveaux, nous avions vu peu de gens du mouvement, mais travaillaient seuls et beaucoup sur les textes. Nous avions été frappés de suite par leur inadaptation à un public français, cultivé, rationaliste, ou tout simplement formé par l'enseignement universitaire, volontiers sceptique et railleur, et qui ne pouvait se satisfaire que d'une présentation, au moins pour le début, adaptée à sa formation culturelle. Et j'avais des textes où j'essayais précisément de présenter la philosophie cosmique d'une manière plus accessible. Je laissais ces textes à Jeanne B., Jeanne Blanchard. Quelques jours après, j'étais rappelé et reçu cette fois-ci avec une chaleur dont je sens encore tout le bienfaisant rayonnement. Voilà, me dit-il, ce que j'attendais que l'on fît depuis longtemps. On comprendra mon émotion, mais aussi mon inquiétude. Je n'étais pas en mesure de prendre la direction d'un mouvement qui aurait eu des analogies avec celui qui venait d'être durement discrédité. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire mieux si l'on persistait dans cette forme de groupement qui ne pouvait avoir rien de commun avec un collège quelconque d'initiation. D'après son témoignage, Louise est, à ce stade, autodidacte en matière de philosophie cosmique. Elle a travaillé seule et beaucoup sur les textes. Elle ne faisait pas partie d'un groupement quelconque. Elle connaissait très peu de cosmophiles et n'avait pas été soumise à un quelconque processus initiatique. Dès cette première rencontre,
nous trouvons un ton assez critique. Critique vis-à-vis de l'organisation du mouvement et à son mode d'action. Critique aussi vis-à-vis du style des textes publiés, probablement la tradition cosmique, style qu'elle trouve inadapté. Elle avait écrit des textes. Nous ignorons s'ils ont été publiés. Il semblerait que dès cette première rencontre, Théon pressentait qu'elle pouvait jouer un rôle significatif dans la direction du mouvement. Louise refusa. Nous retrouvons la même critique sévère, cette fois en des termes encore plus durs, sur l'organisation sociale du mouvement à Paris à la fin du manuscrit. Pardon. Après la mort du maître, les témoins lisses avec qui je n'avais cessé d'entretenir des relations courtoises et amicales me demandèrent d'unir leurs actions à la mienne et de regrouper les disciples dispersés. Je ne voulais plus m'associer à l'activité d'un groupement qui avait conservé ses caractères de chapelle que j'avais retrouvé dès mes premiers contacts avec le mouvement et dans lesquels la mondanité, les lettres nobiliques et l'aisance que procure l'argent tenaient lieu de mérite et d'aptitude. Louise nous fournit une deuxième raison à son refus. Ils eussent volontiers repris la direction, les témoins lisses, mais ils exigeaient d'en assurer la maîtrise incontestée et de lui donner une orientation conforme à l'évolution qu'ils avaient subie eux-mêmes depuis 1921 et qui les rapprochant de plus en plus de la tradition juive, prétendaient ne tirer ses sources que de la Kabbale. Le texte continue. L'un des intérêts pour moi de la philosophie cosmique avait été précisément cet éclectisme, si l'on peut dire, des textes qui s'inspiraient de la tradition judéo-chrétienne, comme les traditions helléniques et pythagoriciennes, comme des traditions hindoues ou chinoises, et présentaient à l'occasion des récits inspirés des traditions aztèques ou toltèques. On a prétendu que la philosophie cosmique avait un syncrétisme de ces traditions, et non pas obligatoirement, quand les simples le pensaient, la tradition unique, primitive, présentée sous des voiles traditionnels divers. Peu importe au fond, ce syncrétisme, s'il y a, prouvait en tout cas, de la part de son auteur, d'une volonté de chercher la lumière sous toutes les traditions et de se limiter à la lettre d'aucune. Tout en reconnaissant que la Kabbale pouvait être des traditions la plus riche d'enseignements et peut-être la plus accessible à notre entendement occidental, je ne voulus pas m'associer à une activité qui eût été, selon moi, l'imitation et déformation de la doctrine. Il semblerait que nous sommes au cœur du problème. Quelle place ont le judaïsme et la Kabbale dans la philosophie cosmique? Il y a divergence entre les vues de Louise et celles des témoins lisses, qu'elle considère comme déformation de la doctrine. Ces reproches de Louise sont repris par Pascal dans une lettre adressée en 92 à Chanel. Nous en avons parlé. Je vous ai déjà raconté, je crois que Madame Perrault, qui était sérieuse de bonne volonté, a écrit que lors de son dernier voyage à Tlemcen, elle n'avait plus trouvé devant elle qu'un vieux juif plongé dans le Zohar et rêvant de Jérusalem. Et 10 pages plus loin, elle me reproche un peu d'avoir trop tendance à rattacher le cosmique à la Kabbale. Serait-ce moi qui influençais Théon ou le contraire? Et maintenant, voici le texte, le vrai, celui de Louise. Aya Aziz avait été travaillée dans les derniers mois de 26 et le début de 27 par ce désir qui tenaille tout vieil israélite d'aller finir ses jours à Jérusalem. C'était encore là l'indice que l'apôtre de la philosophie cosmique n'était plus et qu'il n'y avait plus à Zarif qu'un vieux juif repris par tous les « j'arrive pas à lire le mot dans le manuscrit » et les rêves de sa race. Effectivement, d'après le texte de Louise, Théon rêvait de venir s'installer à Jérusalem, mais pas un mot sur le Zohar ou la Kabbale dans tout le manuscrit. Apparemment, une erreur de Pascal, due à sa fidélité à l'image qu'il se faisait de Théon et de la philosophie cosmique. Image qui n'emporte pas l'unanimité, comme nous venons de voir. Qui a raison? Nous ne pouvons pas tirer de conclusion définitive, mais il me semble que Boaz a apporté hier quelques pièces d'importance à ce dossier. Nous savons peu de choses sur la pratique cosmique. Quelle est la nature des repos? Comment se fait le travail psycho-intellectuel? De quelle nature sont les relations entre la sensitive et l'active? Les textes cosmiques restaient très discrets sur ces sujets, et Gall nous a présenté hier le mal qu'il a eu à essayer de trouver certaines
Il y a deux passages dans notre texte qui nous permettent d'entrevoir une partie de ce qui s'est passé derrière les rideaux tirés. C'est assez dire qu'il ne manquait pas d'attrait et qu'il eut des succès, et surtout des succès féminins, même dans son âge déjà avancé. Beaucoup de sensitives ont rêvé d'être la passive du maître, une des passives de ce jardin d'êtres doués exceptionnellement, dont il aimait à s'entourer et qui lui était indispensable pour certaines réalisations psychiques et spirituelles, compréhensibles seulement lorsqu'on est familiarisé avec les enseignements essentiels de la philosophie cosmique. Et un texte encore plus explicite. Son effort fut d'essayer de trouver des sensitives qui puissent remplacer celles qui avaient regagné d'autres états du cosmos, Théona. Des candidates ne manquaient pas. Aucune ne fut de taille à remplacer Madame Théon. Celle qui fut à Tlemcen dans les années de la guerre et de l'armistice après la guerre de 14, Jeanne Blanchard, quoique extrêmement douée, elle aussi n'avait pas la vocation, selon le mot du maître. Elle n'avait pu se résigner à la vie austère de Zérif, mais surtout, jeune, ardente de vie, elle mesurait bien que le travail psychique très particulier que le maître attendait d'elle n'est possible que dans le don total du soi qu'on n'accorde que dans l'amour. Or, elle était une jeune fille, il était un vieillard. Elle ne se sentait aucun goût pour jouer les Avishag, allusion au premier chapitre du livre des rois, où Avishag réchauffait le roi David. Nous ne pouvons pas déduire de ces passages sur la pratique générale, mais il ne laisse aucun doute que chez Théon à Tlemcen, les relations avec les sensitives étaient aussi d'ordre sexuel. Ailleurs, Louise nous décrira clairement, et non sans sens critique, l'ambiance de non-conformisme familial régnant dans les cercles cosmophiles. Et là, elle nous rapporte l'histoire de Mira Alfassa, et qui quitta son mari Morisset pour rejoindre son âme sœur et Paul Richard. Elle est assez critique vis-à-vis de ça, et je saute ce passage, mais là, ce fut un beau scandale et un beau désarroi. Ces événements avaient disloqué le mouvement cosmique. Donc, elle voit assez avec ça de façon assez grave. I just jumped a bit. Contrairement à d'autres cosmophiles ayant connu personnellement Théon, et je pense à Claire Témoin-Lys dans son ouvrage Un séjour chez les grands initiés, qui nous donne une image idéale et parfaite des Théon et Una, tout de beau et resplendissant, parfait et plein de sensibilité, de gentillesse, de douceur. Louise, tout en étant très admirative et respectueuse, se permet parfois un ton différent, présentant une image moins idéalisée. N'hésitons pas à rappeler les défauts des maîtres et surtout les sautes d'humeur et le mauvais caractère de Théon. Voici un premier exemple. Ceux qui ont connu Madame Théon ont gardé le souvenir de cet être extraordinaire qui n'était plus jeune en 1906 et avait atteint un curieux empattement. Louis B., qu'il a bien connu, je ne crois pas que c'est lui Berthaud, d'après les dates ça ne correspond pas, mais je ne sais pas qui c'est celui B., qu'il a bien connu, racontait aussi ses premières impressions. On apercevait sur la plage une espèce de tas informe, un visage empâté de graisse. En s'approchant, on reconnaissait une femme lourde, avec un visage abîmé par la perte d'un œil. Résultat, paraît-il, d'un compas psychique. Elle n'était pas aussi belle que Claire nous l'a décrit. Louise a raturé ce dernier passage en voix. Pardon. On voit qu'elle a effacé ça, ça veut dire qu'elle a décidé de ne pas le publier. Mais du premier élan, elle a quand même écrit. Et maintenant, un texte très significatif sur Théon. Il connaît mal du reste la langue française, qu'il parlera toujours avec imperfection, quoiqu'il soit par ailleurs polyglotte et capable de se faire comprendre en beaucoup de pays. C'est en anglais qu'il écrira de sa fidèle secrétaire Teresa, on assurera la traduction littérale. Mais cette traduction littérale de Teresa est plus souvent un charabia obscur et qui a besoin de nos traducteurs pour que le texte devienne un français correct. Compréhensible, épousons bien les nuances subtiles d'une pensée qui tient essentiellement des distinguos et des sens équivoques en ce qui concerne des notions fondamentales. C'est cette obligation où il se trouve de passer par des intermédiaires plus ou moins qualifiés pour diffuser sa pensée dans notre langue, qui explique qu'elle soit souvent mal présentée, mais ce qui explique aussi les conflits qui se sont élevés avec ses plus fidèles interprètes, qu'il redoutait toujours une déformation, une déviation de la doctrine.
Il admettait mal, il n'admettait pas du tout que pour se faire saisir une idée métaphysique de compréhension difficile, on chercha dans ce que le lecteur français connaissait par tradition, des références, des points de comparaison, des rappels d'analogie. C'était la faute impardonnable et qui risquait de compromettre la pureté de l'œuvre qu'il voulait voir dressée comme un monument inattaquable et unique, offert à l'intelligence et l'intuition des disciples. Pour m'être permis en note sur une petite brochure publiée en 23, c'est l'exposé préparatoire, l'indication que le culte du moi cosmique s'apparentait à ce que d'autres doctrines appellent le soi, et qu'il ne s'agissait pas du culte du moi égoïste, ainsi que l'affirmait Roux dans son livre, je me suis vu rappeler à l'ordre de la plus énergique façon, et je n'ai jamais réussi à dissiper ensuite certaines méfiances sur la pureté et la rectitude de mes conceptions. Cette impossibilité où il se trouvait de contrôler lui-même avec sûreté la traduction des textes qu'il publiait, jointe à une intransigeance curieuse en ce qui concernait le sens actuel attribué à certains termes de la langue, fut comprendre certaines des difficultés qui ont marqué le cours d'un apostolat officiellement assuré de 1900 à 1927. Mais, malgré ces critiques, le texte est plein d'admiration envers le maître. C'est ainsi que Luce l'appelle en général, et plein de preuves de fidélité. Fidélité par sa présence même à Zérif, à une période où les visiteurs sont rares. Fidélité par la disposition à subir injures et sautes d'humeur. Fidélité par l'aide matérielle prêtée au mouvement, notamment l'entrepôt des publications. Fidélité par l'aide apportée à Jeanne Blanchard, sensitive de Théon, qui mourut entre ses bras à Nice en 1921. Fidélité pour avoir envisagé en 1924 de faire déménager Théon et Thérèse dans sa petite villa à Nice pour pouvoir en prendre soin, vu leur santé précaire. Fidélité encore par son retour à Tlemcen en 1930, 3 ans après la mort de Théon, pour apporter son soutien à Thérèse et pour essayer de récupérer une partie des manuscrits de Théon. L'approche de Louise est intellectuelle et philosophique. Elle refuse les pratiques initiatiques et elle exècre le côté aristocratique qu'a pris le mouvement dans les salons parisiens. Elle voit la philosophie cosmique dans un contexte universel et refuse à y voir une émanation de la Kabbale hébraïque. Pour conclure, nous pouvons trouver l'écho des divergences sur l'interprétation de la philosophie cosmique dans un très intéressant article de Pierre Géraud, paru dans le périodique Marianne en janvier 1937. Thanks to Pet. Dans cet article intitulé « Les sociétés secrètes de Paris », Géraud fait le tour de différentes églises, sectes, groupements, religions, etc., ayant certaines particularités ésotériques. Perrault, pseudonyme de Raoul Guyadet, ancien prêtre catholique, a repris et élargi ces thèmes dans plusieurs de ses livres. Voici ce qu'il écrit au sujet du mouvement cosmique. Je saute le premier passage. La doctrine ésotérique du cosmisme ne se relève pas à n'importe qui. Témoin Lisse, rue du Colonel Moll, fait subir des initiations graduées et hiérarchisées avant de le dévoiler complètement. Et maintenant, est la distinguée directrice d'un important établissement scolaire à Paris, qui n'admet pas personnellement la collation des grades initiatiques et qui estime que Témoin Lisse a faussé la doctrine de leur maître commun Aya Aziz, ne m'a pas sans difficulté révélé que le sphinx, etc. Ça n'a pas d'importance. Pas de doute pour nous, il s'agit de Louise Dugan. L'accusation portée contre Témoin Lisse est grave. Il a faussé la doctrine de leur maître. Il ne s'agit pas d'une erreur ou d'une divergence d'interprétation, mais bien une falsification intentionnée. Effectivement, nous avons là un autre regard. Nous comprenons pourquoi ce texte inquiétait Pascal et pourquoi il voulait y réagir. Il ne l'a pas fait, je ne sais pas pourquoi. Nous avons encore beaucoup de projets au sujet de ce texte, et pour le moment, je vous ai donné un avant-goût. Merci beaucoup.